Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle journée et quel que soit l'état dans lequel vous êtes ce soir, eh bien, l'exercice que je vais vous proposer va pouvoir vous aider à approfondir votre calme ou à aller le chercher, à pouvoir évacuer toutes les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Parfois, il y en a et on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est un exercice que l'on appelle en sophrologie IRTER, IRTER, I pour inspiration, R pour retention, rétention de l'air, je vais y arriver, T pour tension des muscles du corps, E pour expiration de l'air et R pour relâchement des muscles du corps. Donc cet exercice, je vous propose de le faire comme d'habitude en position allongée ou assis, plutôt que debout où là ce ne sera pas très confortable. Mais vous pouvez essayer aussi si vous avez envie. Je vous laisse vous installer dans un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé, ni par quelqu'un, ni par le téléphone. Et simplement, vous allez déjà laisser votre corps se déposer sur ce support. Sentir toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le support, l'arrière de votre tête, les épaules, les bras. Votre dos qui s'étale, votre bassin aussi qui suit le mouvement. Posez bien vos jambes, vos pieds, vos talons. Et prenez conscience de chacune des parties de votre corps dans le plus petit détail, comme votre cuir chevelu, tous les petits muscles de votre visage que vous relâchez. Vos mâchoires qui se desserrent, les muscles de la nuque, du cou. Relâchez bien les épaules où il y a souvent beaucoup de tension. Laissez les bras devenir plus lourds. Sentez pleinement la paume de vos mains, vos doigts, le bout de vos doigts. Percevez votre colonne vertébrale. Laissez-la s'étirer et se déposer complètement sur le support. Relâchez les muscles de votre dos. Laissez votre bassin prendre toute sa place. Relâchez bien vos muscles fessiers. Relâchez vos jambes, genoux, mollets, jusqu'aux pieds, les talons. La voûte plantaire, les orteils. Et prenez bien conscience du relâchement de l'ensemble de votre corps à cet instant. Prenez une grande inspiration, gonflant le ventre et la poitrine. Soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez les sensations de calme à cet instant. À présent, afin d'évacuer toutes ces tensions émotionnelles, mentales et physiques qui peuvent persister, à mon signal, vous inspirerez profondément, vous retiendrez votre respiration et vous contracterez légèrement tous les muscles de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, puis vous soufflerez fortement par la bouche en relâchant le corps. Inspirez profondément, retenez la respiration, contractez tous les muscles du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Soufflez fort, videz et relâchez les muscles. Reprenez une respiration naturelle et accueillez les sensations de calme et de tranquillité. Une seconde fois, inspirez, gonflez le ventre et la poitrine, retenez votre respiration, contractez tous les muscles du corps de la tête jusqu'aux pieds, soufflez fort, videz les tensions. Et relâchez pleinement le corps, reprenez une respiration naturelle et accueillez les sensations de détente, évacuez la pression, la tension, les crispations, l'excitation. Tout ce qui a besoin d'être évacué, qui est en trop. Et puis recommencez une troisième et dernière fois à votre rythme.
respirez naturellement et accueillez les sensations de calme. Il peut y avoir peut-être des émotions qui ressortent. Laissez-les venir, accueillez-les. Reprenez doucement contact avec votre corps. Prenez encore quelques instants pour revenir à vous. Félicitez-vous de vous être offert ces 5 minutes de décontraction. Et ce petit exercice de contraction-relâchement, vous pouvez le refaire à tout moment de la journée quand vous en avez besoin, quand vous ressentez une émotion trop forte, quand vous avez besoin d'évacuer quelque chose. Vous pouvez le faire aussi même pour des parties du corps, que le visage, que les bras, que les jambes. À vous de voir selon vos besoins. Bonne soirée et à demain !